Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chez Action. Donc je suis ici à Villers-Cotterêts. Je vais faire un tour dans l'univers rangement, que ce soit pour la cuisine, salle de bain, salon, salle à manger, chambre. Donc j'ai commencé par la gamme Curver. Alors la gamme Curver, elle est déclinée en plein de tailles. Il y a plein de tailles. Alors la plus petite, c'est celle-ci, 800 ml, 2,69 €. Vous voyez, elle se présente comme ça. Et ça, dans les tiroirs, c'est le top. Alors après, tout dépend de la largeur de vos tiroirs dans la cuisine. Hein. Si vous avez des hauts tiroirs, vous pouvez même mettre ceux-là. Alors ceux-là, c'est 800 ml de 69, 3,49 € 1 litre 3, 1 litre 8, c'est 3,69 €, et plus la plus grande, 2 litres 3 à 4,49 €. Sinon, vous avez ce genre de boîte. Pareil, hein, vous pouvez stocker et mettre dans les tiroirs, par exemple, les pâtes, le riz, même la farine. Moi, je trouve que c'est plus pratique dans ce genre de boîte. Ou alors les restes. Alors, celles-ci, elles sont à 4,49 € et c'est des 2 litres 3. Ensuite, on va passer du côté des rangements dans le radiateur, dans le réfrigérateur. Vous avez, regardez, ces rangements, des bacs frigo. Vous pouvez mettre les sauces, hein, par exemple. 1,62 €, 30 par 10. Alors, je parle souvent des rangements à mettre au niveau du réfrigérateur, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser que pour le réfrigérateur. Vous pouvez même les mettre dans un placard. Vous voyez, vous en mettez comme ça. Si vous avez l'étagère, qui n'a pas beaucoup d'hauteur au niveau de l'étagère, vous pouvez en mettre. Vous pouvez même les mettre les unes sur les autres, je crois. Je ne sais pas si on peut les empiler. En tout cas, comme ça, positionné comme ça dans un placard, ça peut être pratique et vous vous sortez en tirant. Sur la poignée, 1,62 €. Vous avez cela pour les canettes dans le réfrigérateur, 1,88 €. Et pour les légumes, les fruits, 1,99 €. Allez, je continue avec ces boîtes-là. Hein, pareil que vous pouvez utiliser. Alors, elles ne sont pas hermétiques, hein, contrairement à celle-ci. Mais vous pouvez l'utiliser, hein, vous mettez des pâtes, du riz. Moi, c'est ce que j'ai fait. 2 litres 6, 1,79 €. 1 litre 7, 1,22 €. Vous avez également, ça c'est nouveau, 1 litre. Alors, 1 litre, je vais vous montrer comment elles sont au niveau de la taille. Voilà. À 92 centimes. Alors, je continue avec cette colonne, en fait. Que vous pouvez utiliser pour ranger vos papiers parce que c'est ça a la taille d'une feuille de format A4 ou autre chose, hein, vous pouvez utiliser autre chose. Alors elle fait en hauteur 34 cm, 25 sur 23,5 à 6,99 €. Il y a trois tiroirs. Alors en profondeur, hein, je pense que profondeur ça doit être 25 cm. Non, profondeur, pardon, c'est 34 cm. Hein. Allez, je continue avec les grandes boîtes de rangement à 17,95 €. Alors avec couvercle, elles sont vendues avec couvercle, hein, celle-ci. Je vais vous donner les dimensions. Dimension, c'est 76 par 57 par 42 et c'est 145 litres, 17,95 €. Alors vous les avez, hein, ce modèle-là, décliné en plusieurs tailles. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Mais voilà, sachez, regardez, vous avez par exemple celle-ci avec couvercle 20. Par 29 par 20 par 12 à 1,49 €, vous voyez. Je vais en sortir une pour vous montrer comment elle se présente, comme ça. Ensuite, vous avez ces rangements. Ça, c'est super pratique. C'est ce que j'ai à la maison, dans la chambre des enfants. Bac à roulettes. Alors, vous l'avez, hein, en gris, il me semble, à cette partie-là, en gris ou en noir. En tout cas, les couvercles, ils sont là. Vous avez plusieurs couleurs au niveau des couvercles. Et elle est à 6,95 €, la boîte. Alors, les dimensions, hein, je vais vous donner la hauteur. C'est plus important parce que vous savoir si ça passe en dessous soit du lit, soit du canapé. 17 cm de hauteur. Voilà ce que ça donne. En plus, quand vous le sortez, hein, en dessous du lit, hein, vous sortez. Et vous n'êtes pas obligé de sortir la boîte en totalité, puisque voilà, vous pouvez soulever qu'une partie. Alors, les dimensions, je vous disais, hein, 17 cm de hauteur. En profondeur, elle fait 78 et en largeur, elle fait 36.
Ça, c'est nouveau, hein. C'est récent en tout cas. C'est des paniers. Alors, je vais vous montrer avec des couvercles. Alors, vous les avez en trois couleurs. Vous les avez en gris, vous les avez en noir et vous les avez en vert. Et les couvercles, je vais vous montrer comment ils se présentent. Voilà. Voilà, les couvercles sont comme ça. Vous voyez, vous avez cette taille-là, 28,5 par 18,5 par 12 à 2,29. Et vous les avez en petit format à 1,26€. Alors, dans tout ce qui est panier à linge, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on retrouve ici. Vous avez ce modèle-là. C'est un modèle, c'est le plus grand, il me semble. Il existe en noir et en blanc à 7,79€. Vous avez le panier flexible. Non, il est rigide celui-là, il n'est pas flexible. 3,69€. Le panier hein, à lessive. Alors, ils sont. Ça, cette gamme-là, j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui est quand même assez costaud. 4,49€. Vous avez ce modèle-là. Alors, celui-là, il y a 2,97€. Ça, c'est un panier. Panier ou seau, après vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez parce qu'il y a des couleurs assez sympas, il y a du rose, vert. Alors il fait 3,99€. Après on a ces corbeilles qui rappellent le modèle de panier que je vous ai montré hein, juste avant, 2,49€. Et puis là le panier de rangement à 4,92€. Là vous avez des jolis paniers, hein. Moi c'est ce que j'ai à la maison, cette gamme là, bon je les ai pris en blanc, donc ça pareil, hein, ils sont déclinés en plusieurs tailles, là par exemple le plus grand il est à 3,29€, sinon vous en avez plein d'autres, je vais vous montrer, alors ils existent également en blanc hein, si ça vous intéresse, alors ceux-là pareil, ça c'est le top pour les rangements et tiroirs, 59 centimes, il y en a un peu plus grand, ici 1,26€. Alors, le blanc, il n'y en a plus, hein. Il n'y en a plus du tout. Et puis, vous avez celui-ci, il est grand, mais en hauteur, il est moins haut, 2,59€. Alors, du côté des rangements, je vous mets également ces petits poufs, hein, parce qu'en fait, on peut mettre un petit rangement, enfin, on peut ranger des petites choses à l'intérieur. En velours noir, vous l'avez en rose et vous l'avez également en gris, à 2,95€. Alors, dans les rangements, vous avez également ces poufs. Pouf en velours, alors la partie basse elle est unie, donc en vert, et puis c'est le couvercle hein, qui est imprimé, 7,95€, vous avez ça en rangement, vous avez également ça pour ranger plein de choses, les chaussures, chaussons, ou, voilà, souvenirs. Alors ils sont en velours, hein, ils sont pliables ces boîtes, je vais vous donner les dimensions, 28 par 40 par 25, vous les avez en noir, vous les avez en bleu. À 3,99€ et toujours hein, du côté des rangements des boîtes, vous avez celle-ci. Alors celle-ci, c'est des boîtes qui font 37 par 30 par 16 en hauteur. Et elles sont à 2,29€. Alors vous avez différents imprimés, hein. Je vois celui-ci, hein, je vais vous montrer, celui-là est tout blanc, tout simple. Il y avait d'autres boîtes, hein, je vais vous les montrer. Pour le bureau, hein, les rangements comme ça, pour le courrier ou autre, à 1,29€, hein, ça existe également en noir. Et puis vous avez les portes revues, voilà, 1,45€, pareil, ils existent en noir. Et je vais terminer avec ces boîtes, hein. Ces boîtes, je les trouve super jolies. Alors j'ai pris quelques modèles. Alors moi j'ai rangé dedans hein, des petits souvenirs. Alors il y a une boîte où j'ai mis que des photos hein, qui traînaient, des petites photos d'identité, des photos d'école, enfin plein de photos. Et puis il y en a où je mettais hein, des dessins des enfants, en fait, des petits souvenirs que je voulais garder. Donc il y a plusieurs modèles hein, au niveau de ces boîtes. Hein, ça, c'est pour des feuilles de format A4, 2,49€. Hein, vous avez du gris, du blanc. Après les motifs ils varient ici. Là je crois que c'est un palmier, vous avez fait marbre. Voilà. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. Alors, je termine juste avec voilà, avec ce genre de pochette parce que pour moi, ça reste dans les rangements. Hein, pour tout ce qui est rangement de papier administratif, je trouve que c'est super pratique hein, de le faire, surtout par thème. Ces pochettes avec élastique, en plus, elles sont jolies, donc vous pouvez les mettre même en évidence. 2,29€. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.